cette réglementation ferait que une très grande quantité des pesticides qui sont vendus et mis sur le marché actuellement dans toute l'Europe serait invendable. Il est très important que le public comprenne que l'agroécologie, c'est un ensemble de bonnes pratiques en matière agronomique dont on a aujourd'hui, au XXIe siècle, besoin plus que jamais. Comment amener notre modèle agricole de l'agrochimie vers l'agroécologie ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse le constat des différents écueils, des différentes incohérences qu'il y a dans ces procédures d'homologation, et que, au bout du bout, on fasse évoluer la façon dont on met en marché des pesticides. Les utopies d'hier sont les réalités d'aujourd'hui, et les utopies d'aujourd'hui sûrement les réalités de demain. Qu'on fasse le constat qu'il faut qu'on arrête complètement l'utilisation des pesticides. Je suis peut-être un optimiste maladif, mais j'y crois. Le 3 décembre à 10h30, en présence de Dominique Masset, président de l'association Secrets Toxiques. Débat suivi d'un apéro citoyen, chaque participant apporte à grignoter. Entrée, 5 euros.